Le lendemain matin. C'est rien d'important, on est arrivé jusque-là. Bon, c'est vraiment la calamité avant l'heure, quoi. Et c'est la personne qu'on a vue dans la forêt, n'est-ce pas, qui est-ce? Elle n'est pas du village, t'as été sûr, elle a parlé de l'herbe d'ouïr. Et l'herbe d'ouïr? Eh bien, ou quelque chose sur le fait qu'elle se propage? Elle parle du fléau d'ouïr. Il y a également des monstres qui ont été infectés par le fléau. J'en fais le serment, je vais détruire tous les monstres infectés. Eh bien, je l'ai dit. Est-ce que pas la manière de faire du Wailers? Les Wailers font des liens avec les monstres, sauf ceux qui nous font chier. Bah c'est ce qu'a dit Chef Omna. Putain, c'est dommage parce que du coup on a vraiment une tête de blasé et on la voit pas quoi. Réfléchis, que dirait ta mère? Ren, c'est une erreur et tu le sais. Laisse ma mère en dehors de ça. Je suis le vieux Rider pour détruire ceux qui s'en prendraient à ma famille. Les monstres ne sont pas nos partenaires, ce sont nos ennemis. Je peux pas oublier. C'est littéralement Kylo Ren, c'est fou quoi. Tellement d'avance, hein, ce Monster Hunter Stories. Je ne vais pas oublier. Pour la force, pour mon grand-père. Tu penses que je me trompe aussi, hein, ton lâche? Peu importe. Je me connais très bien. On est différents, toi et moi. On n'avait dit pas les mamans. C'est dégueulasse. Erin. Sasuke. Lydia. Rona Bailly. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant, Adronas? C'est vrai, on devrait partir à leur profit. Qu'est-ce que vous autres rejoindrons vous, frère? Ren, consumé par la haine du fléau noir, s'est enfui du village Akum. Lydia la poursuit jusque dans la forêt du murmure où l'herbe noire a été découverte. Parmi ta danger, le Dabran. D'accord. Et sinon, t'es tout? Pas de nouvelles quêtes secondaires? Bon, tu me diras, on n'a pas fini les anciennes, mais mais les comptes joints, on a toujours pas trouvé. Ah, par contre, on peut donner du pognon. On peut prier. Prier en donnant de la thune. Ça me semble logique. XP gagné augmenté. Ok. Bah après, j'ai envie de dire, tant qu'on n'a pas de nouveaux monstres, on va garder. Par contre, on pourrait. Attends, je pense qu'ils ont. Ouais, ils s'en foutent PV. Hein. Bon, ce qui est désolé, Bungie, mais. Mais Balou, on va l'abandonner sur le sur une aire d'autoroute. On dirige vers la verdure. D'accord. Mais c'est parti. Oh, on a une team plutôt complète. Ça marche le catéchisme, c'est pour ça hein, finalement, c'est logique. Hein. Après t'as pas de bonus d'XP quand tu vas prier dans l'église. Alors c'est dommage tu vois. Genre vas-y, tu donnes un petit billet de 10 balles à ton église du coin le dimanche, et puis pour le reste de la semaine, bah t'apprends mieux. Genre t'as un bonus de mémoire. C'est quand même vachement pratique, les gens iraient quand même vachement plus dans des églises grâce à ça. Genre vous trouvez pas productif au travail, vous allez prier et donner 100 balles à votre église. Tout le reste de la semaine, vous serez super productif et finirez tous vos projets. Plus le temps de procrastiner. Grâce au catholicisme. Quel enfer. Ça servait à rien, wait. Mais si, bien sûr, prier permet de... Non mais si, ça sert à plein de choses pour le moral. Et de savoir aussi de faire une certaine... Un certain point sur soi-même. De savoir ce qu'on veut. De demander une aide supérieure pour nous aider. C'est cohérent. Enfin bon, c'est difficile quand t'es athée de parler de ce genre de choses. Mais bon. Voilà. Voilà Monster Hunter Stories hein, qui met le malaise sur la religion et qui du coup vous permet une certaine introspection sur la religion. Voilà hein, finalement des thèmes importants pour les enfants. C'est un petit peu ce qui les attend. Leur écrit. Bon, c'est pas tout. Ouais, parce que du coup, j'adorerais retourner dans les cavernes histoire qu'on ait un nouvel œuf et du coup un nouveau monstre pour qu'on ait une équipe un petit peu de tout. Mais j'ai peur qu'on tombe encore sur la même chose. Quoi. Et voilà, prier permet de zoult. Donc à partir de là, j'ai envie de dire la question elle est vite répondue. Voilà. Putain mais je suis pris d'un ramassage aigu. J'ai envie de tout ramasser. C'est quand même terrible. Bon là par contre devoir tous retaper genre le lendemain matin et tu te dis genre tu reviens ici bon. Oui, utile. Où est-ce qu'il est parti? Son surnom c'est Red le gargouille et les purines non? Red revient, Rain.
À côté, hein, quand t'as un nom d'une ville de Bretagne, moi aussi j'aurais envie de partir. Oh non. Non, c'est bon. Y'a que ça. Celui-là, j'ai envie de dire, on va peut-être se calmer un peu sur les combats, parce que alors sinon, on va juste du coup trigger lui. Non ? Bah là. Ah non. C'est pas tous les Kilby qui nous lâchent des trucs du coup. Alors là, là ça tire à balles réelles. Oh là là. Il va tellement se faire bourrer. Le mec qui a une tornade autour de lui. Parce que pourquoi pas. MDR. Chabuleux. C'est plutôt de la vitesse. Hein. Par contre, j'ai hâte de changer d'arme en vrai. Et j'ai hâte du coup qu'on débloque la crampe de chasse parce que je suis hyper curieux de voir le gameplay de la crampe de chasse appliqué à Stories. Oui. Pardon, c'était mon imitation. Balou ! Ça va tellement être dur de se séparer de Balou. De le voir comme ça, de dire. Désolé Balou ! Mais on a trouvé un Arzuros doré, tu comprends, hein, il a des meilleurs stats. Oui. En fait, t'as plusieurs armes dans le... Bon, de toute façon, j'imagine que tu sais dans le jeu, et du coup, t'as le marteau, et après, t'as la corne de chasse, mais on l'a pas encore débloqué. Malheureusement. Tu risques d'être déçu. Eren. Et là, elle va se... Oh, elle a l'air toute blasée. Allez, on est prêt, let's go. Et non, il t'approche pas. Ah! Naviru, la meilleure démarche du monde! Et dans ce bat! Naviru, je vais te casser l'œil! tu vas manger tes morts! Je vais te détruire! Allez, go, attaque technique! Oh non, pas venin! Ah, ça fout du poison direct, le petit bâtard. Visiblement, la technique, ça lui fait pas grand-chose. Hein. Allez, double attaque technique. C'est des terroux. C'est tellement ça. Je vais te faire manger tes mots. Des fourcils froncés. Je vais te casser la gueule. Ah bah vas-y, empoisonne toute la team. J'ai pas vu combien ça faisait du coup le poison en prime. Ah oui quand même. Enfin. Bien. Ça va, c'est pas. Allez, sale gueule. Ah putain, on va pouvoir faire l'attaque du. Oh. Attention. Hop là. Pardon. Mais ton venin de mort, tu sais où tu vas te le mettre? Oh, la carte, mon gars! Oh yeah! Oh! Oh, trop bien cette attaque. Putain, mais 103! Et victoire, je suis le meilleur! Ouais, je suis le meilleur, j'ai tout fait! Juste à secouer un petit drapeau à côté. Oui! Poche de poison.
C'est-à-dire qu'on aura peut-être des armes poison. Et merci, Andruage. Et qu'est-ce qui va pas, Lydia? Elle se fait empoisonner, prends-le près. Il y a pas de temps à perdre. Et oui, il est pas bleu, c'est encore la famille. Sérieux, putain, je... Elle boit ça d'une seule traite. C'est un antidote. Et merci, merci beaucoup. En fait, quitte. Capitaine, je vous ai trouvé. Qu'est-ce que vous faites ici? Capitaine? Il y a trop de personnages. Il est blasé de tout, faut bien qu'il soit déterre, c'est vrai. Un avirou, c'est la pierre. Hein. C'est la... Le lendemain matin... C'est bon, hein, faut bien aller se coucher, une bonne nuit. Hein. Est-ce qu'il peut pas y avoir ça maintenant, genre... Non, ils sont allés d'abord tous se coucher, et puis après ils ont des discussions. Je sais plus quelle voix j'avais fait. Capitaine. Capitaine. Ah, ça n'aurait pas un rapport avec les scribes royaux par... Si, les scribes sont mes ordres. On m'appelle Capitaine Rose. Ah, j'ai seulement entendu des rumeurs au sujet des scribes, mais... ce que je veux vraiment savoir, c'est ce que vous faites dans notre village, hein, bonne mère. Hey, laissez-moi expliquer, Capitaine. Nous, les scribes, enquêtons sur les changements environnementaux. Ah, j'ai oublié. Appelez-moi Papa. Un coup de neuf. Appelez Miss Capitaine Papy, VC Papy. Ce type peut être sur le système. Un peu noir, monstre en furie. Est-ce que vous savez quelque chose? Le fléau noir, un mal si terrible qu'on a du mal à y croire. Putain, il parle encore en rime, mais au secours. Il y a tellement de persos. La nature est déréglée. C'est pour ça que les scribes nous ont visités. Oui, vous avez raison, étrange homme qui ne cesse de faire des rimes. Excusez-moi, Madame Rose. Merci de m'avoir sauvé. Tu n'as pas besoin de me remercier. Je suis contente de te voir récupérer. C'est juste que... Est-ce que je peux te dire avec vous? T'es quoi? Mais pourquoi? Oui. Je veux en savoir plus sur le fléau noir, s'il vous plaît. Et le renne? On s'en bat les couilles. Ouais. Oh, tu ne serais pas encore empoisonné, Alia. Ce que tu dis là, aucun sens. Mais ils ont pris de la... Pardon. Ah, les chaussettes d'Omna, renne a déjà quitté le village et maintenant tu veux partir aussi? De toute façon, est-ce que les scribes acceptent des jeunes de l'extérieur? Je refuse. N'acceptons pas ceux qui y mettent pas tout leur cœur. Mais j'ai pu y mettre tout mon cœur. Je veux en savoir plus sur le monde au-delà du village. J'ai attendu ça toute ma vie. Je veux aider mes amis et tout le monde. Arrête tout de suite à dire de choses ridicules, ce n'est pas du tout cool. Tu peux devenir un scribe. Quoi? Pourquoi? Apparemment c'était le destin. Cependant... Tu serais l'apprenti. Ok. Ah oui, madame. Est-ce que tout le monde peut se calmer une seconde? Chef, vous ne dites rien? Oh, le temps n'attend pas. Et tu sais, le destin, ça ne s'arrête pas. Quoi? Mais pourquoi? La jeune fille a choisi de ne pas être rider. Laissons-nous trouver son chemin, ou nous lui causerons balayure. Nous devrions être reconnaissants car le destin, sur cette rencontre, a posé sa main. Et merci beaucoup, chef Omna. Ton quadrumage de virus, il est temps de te dire au revoir. Il joue un meilleur jeu que nous. Je me retrouverai, je me rendrai à la maison, c'est promis. J'ai failli oublier. Tiens, prends ça, c'est ma monstropédie. Ne m'oublie pas. On passa les heures à la feuilleter ensemble. René, toi, vous aimiez tellement les monstres. Tu te souviens? Fais attention à toi, Andromache. Mange bien et deviens forte. Tu deviendras un rider de première classe. Eh bien, où? Allez te revoir, sans ton morphe soudain. Tu peux pleurer si tu veux. On s'en bat les couilles. C'est pas de mouchoir par contre. Mais tu peux poser ta tête sur ma fourrure si tu veux bien. Non? Un monstropédie. La transformation des monstres défiés vaincus et clos. Tes primes s'obtiennent en complétant la monstropédie. Mais c'est un Pokédex. Plagiat. Oh. Ouh. Ah. Allô. Oh. Genre. Ah oui, il est ultra déter, ouais. Il est parti vachement loin, quand même. En fait, il accomplit le rituel de la fleur de la calamité. Pour sacrifier les œufs. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ok. Le lendemain matin, après un petit croissant et un petit café, il décidait de s'arrêter là. Et finalement, Ren, bah, bon les couilles. Genre, un enfant a disparu dans la nature, il y a des monstres partout... Quelques jours plus tard... Romalie et Rez ont parti de leur côté. Le village va sembler si calme sans yeux et pas vrai. Allons voir ce qui se passe au village Akum. D'accord. Il y a des nouvelles quêtes. J'aimerais bien finir les quêtes, mais du coup, les contes-champs, on l'a toujours pas vu. C'est quand même terrible.
Alors visiblement, il faut aller tout là-bas. Est-ce qu'il y aurait pas moyen d'améliorer? Je crois pas. Tu vois, regarde, du coup, t'as l'épée bouclier, le marteau et la corne de chasse. Attends, dans la trêve, ça vaut 2. Donc on utilise 1. Ouais. Ouais, d'accord. Et là, je vais en utiliser 13. En fait, j'aurais jamais dû faire ça parce qu'on va tomber sur une arme bien meilleure. Et je vais être au bout de ma vie. Et là, c'est vrai, c'est Ludot Royal, on a rien. C'est pas ouf, hein. Ça va pas bien vite, ça. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Qu'est-ce qu'il veut, le barbu? Oui, ça pique. Ouais, je écoute ce qui vient d'arriver. J'aurais essayé les champignons quand bam, un buffalo a foncé dessus. En plein dans le derrière. Je n'ose même plus m'asseoir. Sauf que je vais m'écrouler. Moi, je pense 5 buffalo. Ok. C'est juste pour des potions, mais bon, il y a du pognon à la clé. On dit pas non pour du pognon. Pas d'autres quêtes d'ailleurs. On va faire un petit tour rapide. D'ailleurs, la monstropédie, on l'a pas regardé. On a un bonus. Ok. C'est gentil, ouais. Ah, du coup, t'as un bonus quand tu vois le monstre. Enfin, quand tu le tues. Mais du coup, quand il éclot, ça compte pas. Ok. Sens vitalité. C'est quoi ça? Eh, c'est une nargue. Ah, y'en a 108! Tuer les tous! C'est littéralement ça, quoi. Pokédex attrape les tous, et là, dans celui-là, ça compte que si tu les tues. Monster Hunter Stories. Abattez-les tous! Franchement, on fait flipper. J'ai pas remarqué. Ça va, quoi. C'est vrai qu'avec sa tête comme ça, hey, samedi, tu veux forger une armure? Elles sont super bien, ça vaut vachement le coup. Allez, prends mon armure. Hey. Hey. What's up? Vélocidrome. Le raptor rusé. Vaincre le raptor rusé. Mais il est où? Genre, je suis trop chaud, hein. Ah, l'accent du sud, hein. C'est parti. Adwatch, comment vas-tu, hein? Ça a pas l'air d'aller, hein. Génial, hein. T'as pas la patate, hein. Je m'inquiète aussi pour Ren, hein. À peine debout qu'il a déjà quitté le village. Ça sert à rien de se morfondre à tout jamais, hein. Tu as du boulot à faire, hein. La paresse ne fera pas de toi un grand rider. Je sais, hein. Pourquoi n'essaierais-tu pas des talents contre moi? Tu devrais acquérir un peu d'expérience dans les combats de... Les Command Riders? Et génial, ne te retiens pas, compris. Allez, attaque-moi, petite. Hein. D'accord. Oh là là, ça va, oh là là. Tu peux attaquer le bon site, ton adversaire. Tu peux attaquer le Rider directement. D'accord. Bah, de toute façon, je pense que ta vieille vache là. Va vite en prendre plein la gueule. Mais la vache. La vache est plus résistante que Dan, quoi. Bah, tu me diras, lui il a 3 coeurs, donc forcément. Dans la situation, ton adversaire peut faire un échange de mon signe. Ok. Bon, elle a quasi coupé en deux là. Yeah. Ouais, t'as bien fait de changer, hein. Point pour nous. Ok, c'est rigolo, ça rajoute un peu de rythme. Ah, il joue au pébouclier. Bon, vas-y, t'inquiète, je vais t'aider. Double attaque vitesse, là. Il va prendre cher.
pas de pitié. Mais du coup, il change de vélocinome ou c'est juste le même qui revient? Je crois que c'est le même qui revient. J'ai une potion sur lui. Potion d'attaque. 10 ans des attaques. Ça, c'est ce qu'on verra. C'est en mode Pokémon, j'ai appris que bourré, c'était la vérité. Et il a pris quand même mon petit Yann. Enfin bah c'était propre. On risque d'affronter d'autres riders. La victoire. D'accord. C'est cool. Ça diversifie un peu le gameplay. Ah non, c'est juste en multi? Non. Je pense pas. Comment ça s'enfile? Ok. D'accord, c'est rigolo. Il y a un monstre appelé le vétéran qui est une vraie nuisance. La mine abandonnée. Ce Yann cul de cul sauvage. Oh. Ah oui. Du coup les talismans c'est dans équipement. Talisman résistance. Cool. Eh ben let's go. Donc on a plusieurs choses à... Oh. Petit cul de cul. Ça le mérite. On a rien à y faire, c'est... Balader un peu histoire de. C'est rigolo qu'on puisse y retourner. Genre y'a pas un petit objet à ramasser en mode c'est rigolo, t'y retourner. J'aime bien le bruit de ses pattes aussi quand il se déplace. Rigolo sur ses petites patounes. Regardez-le. Allez, compte plus vite. Des terres d'avion, il a pas le temps. Comme l'émulateur, visiblement, l'émulateur on peut plus. Mais du coup, lui, il aurait pas des vrais trucs à me faire, non? Yo! Toujours pas un. Un peu dommage, du coup, qu'on ait pas de. Parce que bon. On est pas un peu plus, quoi. Alors qu'on regarde les objectifs secondaires du coup. Pour faire le René rusé. Il faut avancer l'histoire en fait. C'est vrai qu'on avance pas très vite. Ah, il y a l'XP gagné aussi. Du coup, objectif secondaire. Pour le rider. L'objectif est désactivé. Non, je vais l'activer. Livre sur le fil. Ah ouais, c'est bon là. J'avais pas fait gaffe qu'on l'avait. Allez, c'est parti mon petit Yann. Du coup, il nous reste quoi comme monstre? Il nous reste le Buffalgo à faire éclore, si on peut. C'est rigolo de voir des monstres qui ressemblent à des herbivores venir d'un œuf. Enfin, non, d'herbivores, de mammifères. J'entends quelque chose de louche. Enfin, du fond de la mine abandonnée. Il dirait bien qu'il y a un mystère à résoudre. Ça serait... Mais genre il l'entend de là ou parce que moi ça venait de la gauche là? Genre ça venait de là? Mais y'a rien là, on est d'accord. On a rien pour grimper, je pense que là ça va être les Kungalala genre de truc. Hein. Ce genre de monstre là. En vrai, c'est vraiment cool. Puis juste même l'attachement que tu peux avoir avec ton monstre principal, qui du coup, vu que t'as déjà de l'attachement avec certains monstres, de rester avec, c'est ça se fait naturellement. Du bon boulot. Ça rend bien. Ah, et du coup, le raptor rusé, là, il doit être au-dessus. Hein. Peut-être celui qu'on a vu, là, à droite. Enfin, à droite. À gauche, quand on était un peu plus haut. Je m'en fous. Oh là là, mais il y a un truc en dessous là. C'est lui. C'est lui le raptor rusé. Tu ne sauras jamais de quel côté je vais t'attaquer. Et ouais. En joueur sérieux? Le raptor rusé. Putain, c'est cool aussi qu'on ait des... Alors lui c'est plutôt vitesse. Hein. C'est cool qu'on ait aussi des monstres...
spéciaux comme ça. Et ouais, Amity pousse ma gueule. Qu'est-ce que tu vas faire? Je suis pote, hein. Ouh. Ouh, alors là. Il va manger. Bonjour. Je vous disais que bon. Deux fois d'accord, une troisième, ça me semblait peut-être un peu beaucoup. Allez, on sort. Allez, attaque technique. Je le sens bien. Allez, let's go, niveau 2. Le renvoi brûlant, là, à mon avis. Oui, c'est vraiment en mode, c'était pas prévu, quoi. Il est juste tombé sur du kung-fu, il en a bouffé. C'est marrant parce que c'est vraiment genre une attaque qui est pas prévue à l'intérieur même du combat. Vas-y, fonce-lui dessus. Attends. Des conchous. Je me baffais pour pouvoir avancer. Je l'écho, partenaire. Grande peau vélocidrome. La vache. Putain, c'est vrai qu'on a. C'est vrai qu'on a la vache avec nous. C'est un peu dommage de l'oublier, quoi. Rapport de Raider. Ok. T'as rusé, pas assez rusé. Il ne pouvait rien faire, c'était fini pour lui. Il y en a un autre, est-ce qu'on le fait? Bof. On ferait bien un 9, histoire de 1. Parce que limite, en fait, vu que le jeu nous ramène assez souvent à la base. Je me dis que bon, on peut se permettre de faire des balades et tout, de récupérer un œuf au pif. Là, j'ai vu que c'était cul-de-sac, mais y a rien à récupérer. Ouais. Parce que bon, les combats avec les crabes, ça m'excite pas des masses. Je dois bien l'avouer. Je sais pas si du coup on peut avoir des crabes en compagnon. Ça m'étonne, parce que je vais remonter dessus. Hein. Commence par un M. Mais non, ça commence par A. Hop. Je crois que je l'ai mal pris. Je suis pris sur le côté. Ouais. Lui, c'est la force. C'est l'heure du duel. Bam. On lui a arraché la mâchoire supérieure. Double attaque technique, ça a pas marché ici. Bah non, du coup. Je teste, hein, histoire de voir, mais ouais, c'est vraiment que quand t'as. Come on and slam. Welcome to the gym. Oh. Bon, normalement, du coup, il va tomber après. Hein, pour encaisser. Bon, je vais peut-être me soigner après ce combat. Petit critique. Ah oui. Oh. Pas de la ressource celui-là. Et ouais, désolé mon petit Winnie. C'est fini pour toi. 66 XP. Winnie qui va bientôt level up. Arzuros. Genre, ce que je trouve bizarre, c'est que t'as même pas genre l'armure Arzuros. Genre au début quoi. Genre on te met des direct une armure céphalos et tout sur des monstres que tu rencontres pas encore. Ah peut-être que... Je fais un peu vite en besogne. On a dit qu'on se soignait par contre. Merde, je me suis trompé de bouton. Oh, c'est les mêmes mouilles que les premiers jeux, oui. Du coup, je suis aussi curieux dans le stories, le deuxième stories qu'ils vont faire, s'ils vont, bah, genre, du coup, les sons et tout, la rigidité, bah, je pense qu'ils vont quand même travailler dessus, mais. Par rapport à World et à Rise, si du coup ça va avoir un impact sur le jeu. Je peux te voir du coup comment il va se transformer. Hein. Juste de devoir s'asseoir par exemple et ramasser, ça dans les nouveaux, tu l'as plus, quoi. Ça, c'est un Arzuros. Ça sent le vélo aussi près. Hein.
Ça, c'est un œuf d'herbivore, je crois. Bah, je suis curieux. Et je me dis que je pense qu'on va être quand même agréablement surpris parce que tu sens que t'as du taf derrière. Et de la réflexion. Mais d'un côté, ça perdrait un peu de son charme parce que là, du coup, tu sens que le jeu prend un peu son temps. Non, là, là. Ending de l'œuf, objectif terminé. D'un côté, ouais, il en fallait un, donc au final, c'est pas plus mal. Même si ça s'avère être un vieil aptonote, on va quand même récupérer ça. Bah alors ? Hop ! Parce qu'on a utilisé pas mal pour améliorer l'arme. Youp ! Après, je me dis aussi, genre, bah du coup, je me peignais genre d'amélioration et tout, mais finalement, on est déjà suffisamment balèze. Pour ne pas non plus avoir besoin, du coup, d'améliorer en mode, putain, c'est trop la merde. Il faut qu'on puisse améliorer des trucs. Ça va, quoi. Je suis plus dans mon idée de Monster Hunter en mode l'amélioration, vite. Et mais qu'est-ce qui se passe là-bas avec ce point de chair à laine ? Miaou. Qu'est-ce que tu sagrines ? Je suis un conducteur de charavane. Ah, tout allait bien quand soudainement, un Yann cul de cul est apparu, j'en ai eu de peur bleue. Ensuite, il a cassé ma charavane avec son mec. Oh là, non mais dis donc. On peut pas travailler dans ces conditions. Et bisous. Ressaisis-toi, Satan. Ma charavane, il y a qui est en roue. Il t'a le même action ruiné. Le chef Yann cul de cul a volé ma roue. J'ai jamais raté. Et en plus, Yann cul de cul est si coriace qu'on l'appelle le vétéran. Il fit par l'achat sur la rive opposée du lac. S'il te plaît, attention, dire. Ça roule, mais tu as vraiment besoin de te ressaisir. Sur la rive opposée du lac, en allant comme avant. Perturbation. Casser la gueule au vétéran. Ça roule. Oh. Oh là là. Oh là 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 là. Oh le génie. On a trouvé la zone secrète. Énorme. Bah let's go, on va casser la gueule aux vétérans. Je pense qu'on arrêtera là. Pour aujourd'hui. Du coup, j'essaierai d'être un peu plus régulier sur les sessions de stories cette semaine. Histoire qu'on avance et tout, comme ça on attaque Resident Evil 4. Comme ça après on fait les deux rail shooters sur Wii. Je pense qu'on peut passer par là. Ouais. Et après on attaque le 7. Pipilili, pipipipili, poupou. Est-ce que vous lâchez un truc ? Pas du tout. C'est pas grave. On doit être dans la grotte là. On est déjà venu ici ? Oh, j'ai zéro souvenir. Oh, c'est... Non, c'est l'inverse. Attends, je me trompe, c'est pas du tout par là. Si ? J'ai un doute. Parce que là, j'ai l'impression qu'en fait, on venait de par là pour aller de l'autre côté. Alors, au tout début du jeu. Je sais plus. Ah, il y a le Pouggy là-bas, mais il faut qu'on arrive à trouver un moyen de voler. Hein. Hey, hey, esquive! Non, on peut y aller avec le... Attends, ça marche? Attends. Putain, ça c'est bien foutu, ça! Hop! Petit changement de quasi instant. Parfait! Titi-titi. Oh, des jumelles! Oh, les vétérans! Et le petit Pouggy! So tasty. Pas mal d'anti-brûlure. Ah ça va, pas besoin. Touk. Putain ce saut, un athlète. C'est vrai qu'après, ouais, tu peux switch si jamais il est trop. Faut que je m'en mette dans les. C'est pas là, pas du tout. Les sections de monstres. À la Pokémon. Non, par contre. Non, je voulais faire ça d'abord. Le monstre droit devant doit être celui qui s'appelle le vétéran. Les Yann Kutu sont assez timides. Lui se pavane comme s'il était maître des lieux. Tu vas pas nous laisser partir, reste sur tes coussinets, camarade.
Oh là là. Ah, salut Helios. J'espère que tu vas bien. Bienvenue, bienvenue. Il est temps de se mettre. Le vétéran, viens, donne-nous ce que tu as. Montre-lui ce que l'on sait faire. Oh, mais on peut viser la tête. C'est parti, avec force. Let's go. Écoute, ça va très bien. Mets-toi. On va essayer de lui péter la tronche, hein. Ouh. Avec le cul-de-cul, ouais, ça va. On casse. T'es quand même façon de le tuer, mais les coups portés sur les parties du corps endommagent tout le monstre. Vous avez des dégâts sur les parties du corps. Chose sympa tombe des parties du corps. Dans le combat plus facile. Ah mais ouais ouais. Je partirais bien sur de la vitesse. Merde, il fait une attaque technique. J'avais un doute, mais c'est vrai que du coup les QQ font pas d'attaque force. Donc c'est plutôt technique et vitesse. On va rester sur de la force, vu que là il va pas nous attaquer. Enfin, pas des attaques directes. Tant mieux qu'il attaque Yann, parce qu'en vrai. Oh, c'est tellement dommage qu'on ait le vieux bug de 3D là. Bon, c'est trop bien! Mais c'est dingue quoi, en termes de mécanique. Ils arrivent à être plus innovants que Pokémon, juste avec ça en fait. T'aurais ça du coup dans tes combats de Pokémon, ce serait trop bien. Est-ce qu'on monterait pas direct dans ça alors? Ouais, tout à fait Helios, on a suivi les annonces, c'est pour ça que du coup j'étais curieux de voir ce qu'allait faire ce Stories. Je vais le faire avant justement que le 2 sorte. Et on en parlait, il a l'air vraiment pas très quali. Hein. On parlait justement au niveau des améliorations que le 2 allait prendre et s'il allait justement, il ne peut plus utiliser de tacle. Ok. Vas-y, je compte force, ouais. Bon. Si du coup il allait prendre aussi ce que World et Rise a pu changer dans le gameplay de... Let's go niveau 2. C'est parti. Est-ce que ces nouveaux jeux ont pu changer dans le gameplay de Monster Hunter et si ce Story 2 allait justement utiliser tout ce principe-là. La meilleure attaque, bien sûr. Oh. Et je te mets dessus. Il va en tête. Parfait. Suivons-le. Et détruisons-le. Winnie a pris saut violent. En vrai, Winnie monte plus vite. Hein. En vrai, Balou, désolé, mais... Je crois qu'on va devoir. C'est un repli. Tu peux le poursuivre. Ok, repli. Occasion de récupérer son œuf. Ok. Mais c'est horrible en vrai. C'est le monstre du coup, on a pris plein la vie. Non mais c'est bon, je me casse. Vous m'avez détruit. Allez, vous me saoulez. En fait, tu vas jusqu'à chez lui, tu le tues et tu lui voles sa progéniture. Quel enfer. Tu l'as fini, ouais. Et du coup, j'imagine que ça t'a bien plu. Si t'es impatient de voir le 2. Et en vrai, il est très très quali. Hein. Qu'est-ce que je voulais voir? Quête principale, du coup, c'est le vétéran. Là, ça. Bon, les buffles go, les font chier. On va avancer. Grosse baston, hein. Ça rigole pas. Faut quand même récupérer tout ça. Ta-ta-la-ta-ta. Et tout va bien. Les vélocipres qui deviennent des Nosferatu, quoi. Vous aimez bien, les gars, mais bon, au dedans. Vous êtes un peu relou, quoi. Voilà, en tanière de monstres rares. Mais c'est ça le problème, en fait, c'est qu'au final. Mais d'un autre côté. J'allais dire, c'est le problème, mais d'un autre côté, non, c'est que ça t'oblige, en fait, à finalement changer de monstre aussi régulièrement. Ou genre, c'est trop, on va tomber sur un monstre plus rare et plus cool et ça va te donner envie finalement de changer. Reprendre des nouveaux, mais d'un autre côté, ça te force du coup à pas trop t'attacher à ton monstre aussi. Tu switches régulièrement. À cause de cette tanière de monstres rares. Qui du coup ont pas l'air d'avoir plus de possibilités de te montrer des monstres de plus haut niveau, mais juste que tu aies des monstres de ton level, mais avec du coup de meilleures stats.
C'est plutôt une idée intéressante pour éviter justement de devoir garder toujours les mêmes dans ton équipe et farmer de ouf, mais d'un autre côté, bah ça. Ça enlève un peu le côté lien que tu peux avoir. Balou, hein. Never forget ce qui va arriver à Balou, hein. Oh, et hop là! Raté! Ah putain, il s'est retourné. Je crois pas que c'est passé. Et non! Bah, t'as de force, hein. Visiblement, la force, ça marche bien. Nous allons te voler tes œufs! Ah oui, ça fait mal quand même! Ah, ta technique, normalement, ça passe. Je crois que c'est vitesse, du coup. Pas si mal que ça. Ok, on peut éviter pour soigner vite fait. Juste histoire de. Ouais. Ouais, vaut mieux, ouais. Ouais, allez, vas-y, on continue, hein. Le meilleur moment du jeu. Et ça marche, Buggy. Coup de division. Merci d'être passé. Passe une bonne nuit, prends soin de toi et... Et en selle. Bien entendu. Non, bonne nuit et à la prochaine. Tac le cul dessus, bon ça va, il va nous faire 4 dégâts, non? Ouais, deux. C'est bon. No problème. Ah, dommage. Une chance sur deux. C'est pas passé. Gros souci. Forcément. C'était pas la bonne. Match nul. Non, niveau 8, ça avance bien quand même. Quand tu commences ce stream, du coup le week-end c'est un peu tout le temps. On part maintenant, non? Restez. Mais du coup la semaine c'est généralement de 6h à 20h, on fait du coup du Monster Hunter Rise. Un petit peu, et du coup c'est plutôt le soir qu'on fait du stories entre 22h et minuit à peu près. Mais ça dépend dans la semaine, je balance les lives généralement sur le Discord. Mais généralement c'est dans ces eaux-là. Tu as aussi dans la description de la chaîne, hein, toutes les infos, genre les horaires habituels, tout ça. Mais vu que des fois je sais pas trop quand je peux streamer ou pas, ça se fait un peu... Un peu quelques heures avant. Alors ça c'est un Arzuros. Ça c'est un Vélocidrome. Vélocidrome aussi. Arzuros. Arzuros. Oh merde. On va avoir trop d'Arzuros, c'est terrible. On aurait peut-être dû prendre un Vélocidrome, histoire de changer celui qu'on avait. Mais je voulais voir si on avait vraiment que du coup ces types de monstres là, ou si on avait une toute petite probabilité de tomber sur vraiment un monstre rare de la zone. Bon, on le sait. Après, on sait jamais, hein. Bifalgo. Qui sait. Alors, du coup faut qu'on descende. Il y a pas un truc caché par là. Donc merde, je crois qu'il y avait un truc au-dessus. Et du coup on peut pas monter, ils ont pas appris à sauter. En tout cas y'a du monde là. Oh mais pas que je veux pas vous combattre, mais disons que bon... Hein. C'est pas du tout là, hein. Visiblement le pont de l'enfer c'est pour plus tard. On va pas brûler les étapes. Ça m'empêchera pas d'aller le trouver. Oh les conchus, parfait. Faut qu'on en tue justement. J'ai une quête secondaire là-dessus. Hein. C'est plutôt technique, non? Ouais.
Oh, ce one shot. Paf. Je crois qu'on a un peu trop pex. Je crois qu'il y a un petit moment où on est devenu un peu fort. Juste un petit peu. Tic 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 tic. Et du coup, Elios aussi, je viens de penser, si jamais tu veux suivre les lives, tout ça, mais que du coup tu n'as pas pu, il y a bien sûr les rediffs Twitch ou aussi les rediffs sur la chaîne YouTube. Hop, je mettrai toutes les rediffs de stories. Il y a déjà les premières. J'ajoute pas celle de ce soir dans la semaine. Tenir plus de récompenses pour. Oui, mais en soi. Ouais, donc ça va, ça représente pas des grosses menaces, hein. Très très bonne OST, hein. Je suis curieux aussi de voir du coup les nouvelles OST s'ils vont reprendre un petit peu le thème de combat de celui-là ou s'ils vont tenter autre chose. Nouveau titre. Éclateur de conchu. Hop là. On peut tenter une double attaque. En vrai, non, putain, j'aurais pas dû faire ça. J'essaie de jouer stratégique et jouer cool et tout, mais alors que on les one shot. Et là, j'ai juste perdu un tour. Ah, y a quand même moyen de bouclier par feu. Bon, ça va. Sans qu'il est costaud. Bon, il reste plus rien. On l'a déphasé de la réalité. Il a disparu. Ok, splendide. Quoi, attends, dommage, bon, attends. Je cherchais ça, je reviens. Hein. Je t'écraserai à mon tour. Allez, bon. Pas de soucis qu'on soit face à face. Oh, mais vous êtes beaucoup. Il y en a deux en bouclier par feu, on va. Ça va aller vite. Bon, je pense prendre une herbe quand même avant le fight de la fin. Même si bon. Même si il nous a quand même mis un peu cher. Hein. Je sais pas si du coup le fight se fera en deux phases ou si il va juste dormir dans un coin, on va le laisser tranquille. Joli coup, partner. Cool. Cool, 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 cool. Mais écoute, merci beaucoup, Elios. Passe une bonne nuit aussi. J'ai un bon début de semaine. Et à la prochaine. Ouais. On a dit qu'on se soignait avant de continuer. Du coup, si, on est d'accord, il y a vengeance là. Il est là. Nantes. D'accord. Écoute, non problemo, hein, je suis prêt. Ils peuvent cracher du feu. Oui. C'est vrai. Du coup, on a dit plutôt vitesse et technique. On va taper de la force. Ça va. Petit coup de cœur. Il attaque plutôt lui, donc on devrait être tranquille. Il fait une attaque technique, il y a une chance qu'il fasse une attaque technique après, parce qu'il fait des fois technique, technique, vitesse. On va voir s'il fait la même. Ça va, si je joue technique, on va taper force. Mais non, pas boule de feu. Pas les boules de feu. Ah, j'y crois à mort. Stratégie. Ah oui. Ah, let's go. C'est défoncé.
On va peut-être faire une attaque d'abord, une petite attaque force, histoire de... C'est pas mal quand même. Et on peut le finir avec une attaque amitié là. Allez, le renvoi brûlant, c'est parti. Nom 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 nom. Oh. Et je bim. Il reste encore un PV. Ça alors. Winnie qui level up. Ah mais du coup on pourra comparer Winnie et Baloo. Mais du coup Winnie a bien level up plus vite que Baloo. Ah si, moi je me sens fier. Ouais, la chaîne YouTube, j'ai essayé de faire de la pub sur ma chaîne YouTube. C'est... Bah écoute, c'est très gentil, Léos, merci beaucoup. C'est très gentil à toi aussi. La rouge paravane, oui. Hop. Fragment de 9 bêtes. Gros. On regarde rapace. Ok. Le truc c'est qu'on va tomber sur un cutu quoi, bon. On sait qu'on va tomber là-dessus. Hein. Ouais, j'aime bien la couleur. On va rester là-dessus. Je suis partant. Partir maintenant. Oui. Bah du coup on a plus qu'à partir. Alors il y avait juste du coup les monsties. Je vais voir la différence du coup de Baloo. 82, 42, 54. Ah ouais. Quasiment les mêmes stats, mais par contre les PV, c'est pas la même limonade. Hein. Je pense que Baloo. Je vais dire gentiment adieu. Ah, il y a un truc en dessous là. Vu. Des bombes Sonic. Super. Ça pouille là-bas. C'est un pouille qui se noie. Bah alors. Secourir un pouguier garé. Charme entraînement. Non, c'est pas un talisman du coup. Charme qui augmente l'XP gagné en combat. 30 minutes. Ah. Ok, c'est limité. Bien entendu, on va le garder. Alors, l'émulateur qui ramouille un peu, je pense que c'est peut-être la cascade ou l'eau. L'émulateur n'aime pas beaucoup l'eau. Hein. Alors, par contre, je sais pas du tout où je vais là. Toujours plus. Même l'exploration et tout, c'est plutôt bien géré. Hein. Après, forcément, il y a Pokémon qui est passé par là, donc. C'est à peu près comment ne pas trop faire de la merde, mais.
C'est plaisant quoi. C'est jamais laborieux. Là du coup la mission c'est de rentrer hein, si j'ai pas de bêtises. Ah non, il faut rendre la roue. On a Argyros, tiens. Qui se baladère. Petit navire qui vit sa meilleure vie. Même si ça peut manquer d'une petite musique genre de plaine, histoire de mettre dans l'ambiance et de marquer l'environnement. Si c'est cool qu'on ait aussi que les bruits de la nature. Pipilipi. Ça permet aussi de mieux entendre les monstres et les petits avions. On va peut-être retourner du coup derrière, qu'il y a des trucs animés là-bas. Ah mais non, mais moi je voulais passer derrière, je peux lui parler. Merci, merci. Je peux désormais réparer ma caravane. Merci de m'avoir aidé. C'est à ton service si tu veux utiliser la caravane. Bon, je t'emmènerai dans tous les endroits où tu vas aller. Bien vous, tout va comme sur des roulettes depuis qu'on lui a réparé sa caravane. Je vais vous ramener au village. Allez, on dépêche. Mais non. Non. Non, je voulais miner. Pour la caravane, depuis n'importe quel ombrelle, mi-orange. C'est en fait un point de caravane. D'accord. Mais d'abord... Péter du caillou. Cristal de terre. Impeccable. Hop. D'autres points que tu as trouvé, tu pourras parcourir de longues distances rapidement. Voyager entre les points que tu as déjà activés, cherche plus de points afin de parcourir le monde. Claque ton doigt. Ticket pacha pour appeler un point de charvan, peu importe où tu es. Oh. Faut t'acheter au marché. Ok. Putain, par contre, il a l'air d'en avoir des zones. Hein. À la vitesse où on va, je pense qu'on en a encore d'ici le mois d'août. Merci beaucoup pour votre fidélité, nous sommes fiers de votre rapidité. Dire aux autres charvaniers, tu peux utiliser tous les points de charavane. Tous les points de charavane que tu as visité une fois. Et maintenant, dans un village, j'ai hâte de te revoir. Super. Alors, avant, on a des quêtes à rendre. On a des œufs à faire éclore aussi. Alors... Non mais il va être balèze la pelote là. Bon, on a déjà notre vache. Un Golden Arduros. De nouveau. Pas fou, et du coup on l'a déjà, donc bon. C'est bien mignon, mais ça devrait aller. Bon, on va en garder un de chaque, quoi. Histoire de... Bon, j'imagine que Balou, on peut pas. Bon, pour l'instant, on a pas vraiment deux monstres typiques à échanger. Et du coup, les deux quêtes à faire valider, elles étaient plutôt de l'autre côté. Non, il y en avait une là. Si je me trompe pas. Oui. Petit level up. Les produits des collines de Ponderie. D'accord. C'est bon. Attends, on peut réaccepter une quête ? Vaincre un Arzuros. Bon, bah allez, let's go. L'appel du cul de cul, garde du miel. Super!
Peut-être des quêtes pas très compliquées à faire. On a pas fait ce qu'il voulait lui. Ok, un œuf d'herbivore. Merde! Putain, fallait lui montrer. Je pensais que juste qu'en l'ayant, ça suffisait. Parce que j'ai eu la. Quand on le ramassait, j'ai eu la quête, genre en mode validé, c'est bon. Putain, fallait lui montrer. C'est vrai que c'était 5 du. C'était 5 du Falgo, c'était celui qui avait mal au cul. Oh, l'émulateur, pas de mal quand même. Du coup, tout ça c'est pour faire level up les monstres. On n'a pas besoin, sauf bah, du coup, si pour les prochains qu'on ferait avec là. Bon, lui pour l'instant, il n'a rien à nous donner. Par contre, peut-être après cette quête, il aura peut-être des trucs à nous faire. Ah, tu es de retour, comment ça s'est passé, petite Je vois, il semble que le charavanier a eu quelques soucis. Il semblerait que tu aies fait du bon travail, hein, et tu as rencontré le charavanier génial. Maintenant, on va former le chef du village et du balai. Super, j'adore, hein, j'adore faire des allers-retours comme ça. C'est ma passion. Oh, ça fait longtemps. Il paraît que Dal a participé à ton entraînement. A laissé le refiler comme le vent. Pourquoi puis le vieux rider, on n'a rien de temps. Écoute pas bien, ma jeune amie. La brume loueur a été vue non loin d'ici. Et donc nous voudrions savoir, est-ce ce qu'on appelle le fléau noir? Sois prudent là-bas ou du mal, il t'arrivera. Il se passait les choses en nature alors que tu n'avais pas de chevelure. Regarde bien, plante ou pierre, où le fléau noir a répandu sa misère. D'accord. Et j'ai aussi pour toi, bonne soirée. Ça marche, Mathieu. Mets des bisous. De toute façon, je pense arrêter là aussi. Parce que là, il faut juste aller parler à machin et c'est bon. Je faisais la cueillette aux collines de poirier et j'ai vu des nuages noirs au-dessus de la forêt du murmure. Ça ressemblait beaucoup aux nuages noirs la dernière fois, j'espère vraiment que c'était quelque chose d'autre. Venez aussi vite que j'ai pu, j'ai même oublié les champignons que j'ai ramassés. J'espère vraiment que ça ne peut pas dire malheur va se produire. Ah. Et du coup, bonne nuit Mathieu. Des gros bisous, bon courage du coup pour le début de semaine. Et puis du coup, en vrai, t'as juste 3 jours, non? T'as profité d'un bon week-end, non? Toi, sans la pierre, on devrait pas faire quelque chose. Et vous comptez faire quoi tous les deux? Ah merde! Vous voulez aller dans la forêt? Mais vous n'avez pas le droit d'entrer dans le sanctuaire! Cette prétendue brume étant en fait le fléau noir, alors. Certainement un monstre infecté dans les environs. Nous n'arrivons pas à le chasser, nous ne serons pas à l'abri d'un désastre. Je vais y aller en inquiété. Mais attendez ici, monsieur boulot de poil et toi, d'accord? D'accord? Mais c'est pas. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Tout s'attendre que Dad revienne? Un autre monstre horriblement terrifiant pourrait apparaître. Ch'ting! Tu reconnais bien là, je savais que tu serais partante. Si on fait nos preuves en tant que riders, on pourra peut-être voir le monde. Contre chance, marque conclue, on va justement partir pour la prochaine aventure. On se sert la patte, on arrive avant Dan pour faire notre boulot de rider. Ta préparation, prends l'équipement et moi, prends les donuts. Qu'est-ce que c'est mes donuts? En avant. Des donuts. Alors, continue, attends, je veux dire, si j'échappe au chapeau et si tu le rends au sanctuaire avant Dan, tu pourras résoudre le problème et prouver que tu es un vrai rider. Ok. Mais avant. On va s'arrêter là. Faire une petite sauvegarde. Petite F7. Hop.